Le screen parfait, c'est celui de Christophe Honoré, enfant terrible du cinéma français, ambitieux pour certains, prétentieux pour d'autres. Ce Breton d'origine cinéphile éclairé est-il véritablement doué pour tout et notamment pour les métamorphoses? Elle est très compliquée pour moi, cette question. Critique polémiste des cahiers du cinéma, écrivain, réalisateur, il s'est longtemps protégé derrière ses maîtres. Demi, Truffaut ou Buñuel, qu'il cite en filigrane dans son cinéma pour raconter le tragique de l'existence. Parmi ses 9 longs métrages, ce sont les chansons d'amour sorties en 2007 qui présentent le mieux l'essence même de ses histoires. L'amour, le sexe, la famille et le deuil. Des thèmes qu'on retrouve dans son nouveau long métrage dans lequel il mise sur les ressources de la mise en scène mais aussi de ses acteurs et du montage pour construire son univers. C'est un film qui n'est pas mon genre. Par rapport aux films que j'ai pu faire, qui étaient quand même principalement des histoires sentimentales ou des histoires familiales, là, on en est très loin. Je t'enlève, Europe. Ta vie ne sera plus jamais comme avant. C'était une volonté, en tout cas pour moi, de me retrouver dans un état un peu d'innocence par rapport à plein de choses et de me confronter à des choses que je n'avais jamais faites. Tu n'as jamais entendu à l'école parler de Yo, transformé en génisse par Jupiter? Pour ce nouveau long-métrage, Honoré change d'air et le territoire de sa fiction. Son film tourné à 90% en extérieur, ce qui est rare, met en scène des acteurs non professionnels et les plonge dans les mythes gréco-romains dans lesquels les dieux tombent amoureux de jeunes mortels. Et toi, t'es qui ? Je suis le plus redoutable et le plus doux des dieux. Oula, jeunesse ! Je suis Bacchus. Bon, le moment est venu de te présenter mes amis les vacantes. L'idée même de métamorphose, c'est très très proche de l'acte de filmer. Le principe du métamorphose, de changement de forme, comment on passe d'une forme à une forme nouvelle, c'est une assez bonne définition en fait du cinéma, c'est-à-dire qu'on filme quelque chose qui n'est pas du réel, parce que ça, moi, c'est faux. À partir du moment déjà où vous cadrez quelque chose, où vous choisissez un endroit, des gens pour être devant une caméra, c'est pas du réel, c'est du théâtre. Et que de ce théâtre-là, vous espérez qu'il va se passer quelque chose de l'ordre de l'alchimie, enfin pas de l'alchimie, d'une transformation en fiction ou en moment de cinéma ou même en plan tout simplement. Et donc, dans le projet même de Métamorphose, finalement, c'est aussi une réflexion sur la définition même du regard du cinéaste. C'est ça, être un dieu ? Ah ! Est-ce que vous cadrez vos films ? Non, je ne me suis jamais autorisé à cadrer mes films. Pourquoi ? C'est certainement un complexe de louper les cadres ou de se dire, bon, alors, moi maintenant numérique, mais avant, vous vous dites, ah mince, j'ai décollé mon œil de l'œilleton, donc du coup ça crée un truc et tout ça. Il y a une espèce d'idée comme ça que vous n'avez pas les compétences techniques. Or, c'est pas vraiment ça, c'est plus une assurance. Le cadre, c'est une question d'assurance. C'est un complexe et en même temps, j'aime bien l'idée de décider de la focale, de regarder une répétition un petit peu comment ça se passe, puis après d'enchaîner les prises et de ne pas du tout savoir. De ne pas avoir vérifié le cadre de chaque prise, quoi. J'ai interdit tous mes chefs-op d'avoir des combos enregistreurs. Je ne supporte pas l'idée qu'on s'arrêterait en cours de prise, de travail, pour aller vérifier le cadre. Vous avez tourné essentiellement en décor naturel ou périurbain. Et je me dis que la mise en scène, à ce moment-là, pour ce film, c'est de restituer un espace. J'aime bien l'idée que le décor ait un sens, dans une idée de scénographe presque, enfin, alors qu'il ne soit pas un sens trop lourdeau, c'est bien, mais oui, j'aime bien, après dans le film, déjà c'est un choix, le fait de dire que ces dieux n'apparaissent que dans des lieux périurbains, dans des terrains vagues, dans des lieux relativement peu filmés au cinéma, dans des lieux un peu abandonnés comme ça, qui sont que des lieux de passage, c'est forcément un choix. Mais par exemple, vous voyez dans la scène de Narcisse qui démarre en fait avec cette partie de basket où j'ai choisi de filmer que les pieds d'abord en fait sur le, et puis après je filme que les spectatrices mais uniquement avec les cheveux, etc. Et puis, hop, finalement après il y a une espèce de plan séquence un peu plus long où Narcisse
réunit en fait les deux lieux, le lieu du masculin qui était le lieu de l'action a priori, et le lieu féminin des jeunes filles qui regardaient, et qui correspond évidemment à Ovide, où on dit Narcisse est partagée entre le masculin et le féminin, et avec des désirs portés sur lui qui viennent autant du masculin et du féminin. C'est des choix de mise en scène, mais le décor était essentiel. Hein. Mais je ne me suis pas senti redevable, par exemple, de me dire il faut absolument qu'on comprenne comment fonctionne cette cité. Just go back to bed. Watch that TV set. Posh girls cry and sleep. Narcisse, donc, c'est ce jeune homme qui a un problème avec lui-même, pour dire vite. Et qui se parle à lui-même, qui a une idée de lui-même, de sa beauté. Et donc, la première idée de mise en scène, ce serait de le mettre face à un miroir. Forcément, il se regarde et du coup, il pense quelque chose de lui. Et je me suis dit que c'était plus intéressant d'utiliser, pour le coup, le regard caméra, la caméra comme miroir, et d'aller sur un Narcisse qui s'adresserait à la caméra comme à lui-même, pour évoquer justement son problème. Je vois bien qu'il y en a qui s'intéressent à moi. C'est comme s'ils se sentaient capables de m'aimer. Comme s'ils espéraient découvrir à l'intérieur de mon âme quelque chose. Un truc comme un secret. Et après, donc on le retrouve sur le haut de l'immeuble. Alors normalement, Narcisse, il se noie dans l'imagerie de plein de gens. Donc il y a l'idée de la chute. Et je voulais que... Parce que le moment de la métamorphose, c'est la chute. Parce qu'après, il se transforme en fleur, c'est compliqué. Et je me suis dit, comment réussir à faire un rythme, en fait, où je peux avoir une chute. Sauf que si vous filmez une chute en temps direct, vous voyez rien dans un plan. Donc j'ai choisi, en fait, ce slow motion très, très ralenti. Et je le fais en fait accorder à non pas un ralenti, mais quelque chose qui ressemble à un ralenti, qui est le timelapse de la fleur. Et ça, c'est vraiment un truc de montage, c'est-à-dire comment passer d'une image ralentie à une image qui semble pour le spectateur ralentie, mais qui est en fait l'inverse d'un ralenti, qui est plutôt un accéléré. Et puis, une fois que j'avais un peu l'idée de ça et que je l'ai mis en place, c'était une métamorphose possible, voilà. Pourquoi filmez-vous ? Elle est très compliquée pour moi, cette question. Et très honnêtement, si je devais être sincère, ce qui n'intéresse pas grand monde... Si, en tous les cas, nous, là. Je pense que je filme parce que je n'arrive pas à écrire. Si je me pose vraiment la question de pourquoi tu consacres autant de journées à filmer, je m'aperçois, c'est parce que les journées que je consacre à écrire ne donnent rien. Alors que finalement, les journées que je consacre à filmer donnent un film. Donc pour l'instant, je continue à filmer. Christophe Honoré aura bientôt l'occasion d'inventer d'autres formes de cinéma et peut-être répondre à cette question, puisqu'il sera prochainement en tournage d'un film avec et sur des enfants.